Adopté par la plupart des gens, le masque est encore contesté par quelques personnes, dont certaines qui ont de l'influence. C'est notamment le cas de Tucker Carlson, présentateur américain de sa propre émission Tucker Carlson Tonight au sein de la chaîne conservatrice Fox News. Il y a quelques jours, il s'est lancé dans une tirade contre le port du masque. Cette version militante d'Halloween a démarré il y a plus d'un an et continue toujours. Les masques ne servent qu'à l'obéissance politique, comme à Pyongyang, en Corée du Nord. On les porte parce qu'on doit le faire. Ceux qui les portent à l'extérieur de leur plein gré sont des fanatiques névrosés. Tucker Carlson se sert de l'exemple des masques pour critiquer le Parti démocrate. Si vous osez vous balader à pied sans porter de masque dans Washington par exemple, des soutiens de Joe Biden en colère vont vous juger derrière votre dos. Comment osez-vous? Si est-il la question que nous devrions leur poser, ce sont eux les agresseurs. Le passage qui a le plus fait réagir est celui où Tucker Carlson demande à ses téléspectateurs de faire retirer les masques des gens qui en portent. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui porte un masque sur le trottoir, n'hésitez pas. Demandez-lui poliment mais fermement, pouvez-vous enlever votre masque? Il me met mal à l'aise. Forcer des enfants à porter un masque à l'extérieur devrait être illégal. Il s'en prend également aux gens qui font porter des masques à leurs enfants. Forcer des enfants à porter un masque à l'extérieur devrait être illégal. Votre attitude quand vous voyez un enfant porter un masque devrait être la même que quand vous voyez quelqu'un frapper un enfant au magasin. Contactez la police et les services de protection de l'enfance. Sa tirade a énormément fait réagir aux États-Unis où le hashtag #TuckerCarlsonMustGo a été largement partagé. Des personnes comme Asha Rangappa, ancienne du FBI qui travaille désormais pour la chaîne CNN, ont jugé que ses paroles étaient dangereuses. Écoutez le ton de sa voix et ce qu'il demande. Ces téléspectateurs ne vont plus uniquement consommer passivement sa propagande mais agir pour elle contre leurs voisins. Ils testent la docilité de son audience. Alors que l'émission Tucker Carlson Tonight bat des records d'audience depuis des mois, Fox News n'a pas répondu à la polémique.